eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Nouvelle vidéo, je vous avais promis des vidéos, en voici, en voilà. Donc la première vidéo c'était un partenariat, la deuxième vidéo c'est aussi un partenariat. Partenariat, donc je vous explique vite fait, partenariat de où, pourquoi, comment. J'ai partagé il n'y a pas très longtemps sur ma page, je crois que c'est Instagram, sur mon profil Instagram, j'avais partagé le fait que j'avais fait... un petit souvenir d'il y a un an, une toile en partenariat avec Ibroderie Diamant. Toile que, je l'avais fait très très vite, parce qu'en ce temps-là, ben, je travaillais pas, donc j'avais beaucoup de temps. C'était, si vous avez souvenir, la fée clochette tatouée, qu'on voyait beaucoup à ce moment-là. J'avais pas eu spécialement de choses trop négatives à dire, à part le fait que les diamants étaient un peu espacés au niveau de la toile. Pas trop trop mal taillé, mais ils pouvaient faire mieux. Donc voilà, donc j'avais partagé la photo du partenariat que j'avais fait sur Instagram. Et puis ben j'ai reçu un mail de Ibroderie Diamant me proposant du coup de refaire une autre toile partenariat avec eux, et du coup ben, j'ai été choisir du coup une autre toile, donc elle est arrivée ce matin. Voilà, à ma grande surprise, il m'avait dit qu'elle allait arriver sous 15 jours à peu près, 15-20 jours, et elle est arrivée ce matin. Donc voilà, donc la toile est arrivée en collé avec du papier glace. C'est une toile que j'ai choisie. Alors j'avais le choix de choisir une toile avec une taille maximum de 50 par 50. Ben je suis allée choisir une toile en 50 par 50 tout simplement. Au niveau de la qualité, ben, c'est toujours c'est les mêmes toiles qu'on trouve un peu partout, hein. Vous voyez, elle est un petit peu fine, mais voilà, c'est pas dérangeant. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, il y a la fameuse feuille de route. Voilà. Avec donc pas moins de 33 couleurs. Voilà. C'est dans les coloris que j'aime, donc pas dérangeant. Celle-là, 50 par 50, je vais pouvoir aller me la mettre à plat. Il n'y a aucun problème. Donc avant de vous la montrer, j'ai ouvert les sachets. Donc c'est des diamants carrés. Les sachets sont arrivés donc en sachet zippé. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais ouvrir parce que dedans il y a aussi le fameux toolkit que vous connaissez, on ne vous le présente plus, hein, bien entendu. Alors, comme d'habitude, donc il y a le fameux stylet avec la mousse, donc avec deux embouts, donc l'embout simple et, si je dis pas de bêtises, l'embout 10 diamants. Voilà, le petit réceptacle blanc, voilà, classique, basique, la fameuse cire rose, voilà, rose, rouge, comme vous voulez, voilà. Le petit morceau là, c'est pour c'est de la colle double face en fait, si jamais vous avez un souci sur la toile. Et donc comme beaucoup maintenant s'y mettent, la fameuse pince noire. Voilà, donc moi j'en ai déjà pas mal. Alors je sais pas si celle-là elle va pas partir ailleurs. Voilà, je ne dirai pas de nom. Donc ça c'est le toolkit. Alors je le range à nouveau, voilà. Ensuite, vous avez ben, les sachets de diamants. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà, ils arrivent donc dans des sachets zippés.
avec donc dessus, comme vous pouvez le constater, donc la DS33, donc c'est la couleur numéro 33, avec la référence DMC juste à côté, et après vous avez donc non pas la quantité de diamants mais le grammage. Voilà, c'est le poids des diamants qu'il y a dans le sachet. Et ça donc c'est valable pour tous les sachets qui sont sur la toile. Donc voilà, alors il y a plein de couleurs, mais ça tourne, comme vous avez pu le voir, ça tourne essentiellement autour du violet. Et vous allez très vite comprendre le pourquoi du comment. Parce que qui dit bien entendu toile partenaire, ben je suis obligée de vous montrer le. Comme je vous fais le unboxing de la toile, je suis obligée de vous montrer la toile et non pas faire comme je vous fais d'habitude. Donc c'est une, comme je vous disais, 50 par 50. Voilà. Et comme j'ai pas pu vous montrer la toile, enfin le dessin sur le. La feuille de route, je vais vous la montrer là. Alors là, je déplie les coins pour aplatir un peu la toile, pour pas qu'elle fasse que rouler au moment où je vais vous montrer le dessin. Alors, petite information qui pourra éventuellement leur servir. Alors attendez, je vais chercher ma règle ou du moins quelque chose pour aplatir la toile quand je vais la remettre. Donc petit défaut que je me permettrai de leur soumettre et qui pourrait leur être utile, c'est qu'en fait même leur toile carrée, en fait elles arrivent avec un seul et même morceau de papier glacé. Voilà, et donc ce que je redoutais est bien présent. J'ai une rivière, bon j'en ai qu'une donc ça va, mais j'estime que sur du 50 par 50 à la limite il devrait même pas y en avoir, puisque c'est une petite toile. Voilà, elle n'est pas très très grande, donc il devrait pas y avoir de rivière sur cette taille de toile en fait. Donc peut-être que si pour le coup ils en collaient en deux morceaux, en deux parties la toile, pour éviter que, peut-être que ça pourrait le faire. Donc, mais bon, s'il n'y a qu'une rivière sur la totalité de la toile, en plus elle n'est pas très très grande, donc c'est pas très très dérangeant. Je vais arriver à l'éclater et à aplanir tout ça. Là, voilà. Alors, je vais vous la montrer. Donc elle est un petit peu défaite. Vous allez voir. Voilà, je ne l'ouvre pas en entier parce que sinon après ça va partir. Mais voilà. Voilà la toile partenaire que je vais faire donc avec Ibroderie Diamant et qui contient donc, si je dis pas de bêtises, 33 couleurs. Voilà. Et elle est dans les tons violets. Voilà. Je demanderai bien pourquoi. On va voir, on verra bien le rendu final que je posterai donc en photo sur le groupe. Et sur ma page perso, enfin sur ma, oui sur ma page perso. Et voilà, donc là elle est à plat et elle est prête à partir donc sur mon étagère en attendant d'être faite. Je vais y mettre donc du coup dans le sachet le toolkit et je vais y mettre la référence de la toile, parce que sur la feuille de route en fait vous avez la référence ici qui se retrouve en fait ici aussi. Donc comme ça me permettra quand j'irai piocher les diamants et quand j'irai piocher la toile d'avoir tout à portée de main. Voilà, donc comme ça elle est pliée, bien pliée, le papier il va dedans. Comme ça, tout est rangé. Des fois, vous avez des vendeurs en fait qui vous mettent les références, la référence de la toile sur les sachets diamants. J'ai déjà vu. Ils ne le font pas tous, mais c'est déjà arrivé. Donc,
Mais là, voilà, comme le papier sera dedans, du coup, voilà, vous voyez, au moins comme ça, quand je chercherai, comme vous l'avez expliqué, je le trouverai assez facilement. Donc voilà mes chéris, c'était pour du coup le partenariat avec Ibroderie Diamant, cette fameuse toile que j'ai été choisir au plus grand de ce que je pouvais. Partenariat qu'à la base je ne suis pas allée chercher puisque c'est eux qui sont venus me trouver, mais bah, pourquoi pas. Alors moi les partenaires, je ne vais plus, pendant un temps je faisais que ça. Je partais à la chasse au partenariat, mais voilà, comme vous le savez tous, bah, maintenant je travaille. Donc j'ai un petit peu moins de temps et du coup bah, je ne fais que les partenariats qui viennent me, me chercher ou qu'on m'envoie. Donc parce que ça peut arriver qu'on m'en envoie. Mais voilà, je verrai quand les choses se calmeront un petit peu, si éventuellement je repars chercher un ou deux partenaires. Mais voilà, j'essaierai peut-être aussi un ou deux vendeurs que j'ai pas encore dans ma collection. Mais voilà, pour l'instant, on va se calmer un petit peu et faire les vidéos autour, autour des, ben des objets que je crée avec mes pierres naturelles ou faire des vidéos des toiles que j'ai finies ou je sais pas, je vais voir quel sens ça prend, sans, compter, sans oublier bien entendu les vidéos que je fais pour les concours et compagnie. Dont vous entendrez parler et voilà, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, je reste bien présente sur les réseaux et puis ben, en attendant ben, je vais vous donner rendez-vous pour une autre vidéo qui va arriver aussi incessamment sous peu et, mais vous comprendrez, ce n'est pas un partenariat, ça je vous le dis clairement, mais voilà, vous aurez la surprise, certains en ont déjà entendu parler, mais voilà. Petit bonus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao mes amis. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light